À Kalemi, une province de la République démocratique du Congo située sur les rives du lac Tanganyika, des habitants ont perdu leur maison et beaucoup ont été contraints de quitter leurs terres en raison de la persistance de fortes pluies, d'inondations et de bouleversements géologiques. Les eaux du lac d'eau douce le plus profond du monde montent et métamorphosent le quotidien de ses voisins. Regardez ici, c'est une très belle maison. Nous ne savons pas où demander de l'aide pour reconstruire. Regardez tout cela. Nous vivons un cauchemar. Le Tanganyika nous a tous détruits. Kaluma Abedi Ibrahim, l'ancien ministre provincial du Tanganyika, compte parmi ceux qui tentent de trouver des solutions. Selon lui, le niveau d'eau du lac a augmenté de 5 à 6 mètres ces dernières années. Aujourd'hui, sûrement, vous avez remarqué avec moi que le lac a augmenté d'un niveau de plus ou moins 5 à 6 mètres de hauteur. Et en termes d'avancée vers le continent, on est aujourd'hui environ à 250 mètres observés depuis 3 ans. La cause en général est due à quoi? C'est au changement climatique, la perturbation atmosphérique, et aux problèmes liés à la géologie. Les politiciens locaux, dont la sénatrice Francine Muyumba, qualifient désormais la situation d'urgence humanitaire. Ils appellent le gouvernement à résoudre la crise. Ces gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens, et aujourd'hui, la plupart est presque délaissée. Et je pense qu'il est important pour les gouvernements, important et urgent pour le gouvernement de pouvoir apporter des solutions à nos concitoyens en détresse. Le lac Tanganyika est partagé entre le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie. Aucun de ces pays n'a été épargné par les inondations.